وانر طريقي كي أراه أسعد قلوبا بالهداية والتقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ فخر شحسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous nous sommes arrêtés à la parole du prophète alayhi salatu wa salam lorsque les compagnons lui ont demandé, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans ce noble hadith ad-dinu an-nasiha, que la religion c'est la sincérité. Les compagnons se sont demandés, qulna liman, ils se sont interrogés sur cela, et le prophète alayhi salatu wa salam a dit en premier la sincérité envers Allah, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la sincérité envers Allah azza wa jal, c'est le premier type de sincérité que la personne se doit de concrétiser entre lui et son créateur, et c'est la base d'acceptation des œuvres. C'est la condition, parmi les conditions d'acceptation des œuvres, la sincérité. La première condition d'acceptation des œuvres, c'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et la deuxième de ces conditions est le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que il est demandé aux croyants de concrétiser cette sincérité qui se concrétise par le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et il est important que le musulman connaisse cette base fondamentale qui est at-tawhid, l'unicité d'Allah, et son opposé qui est le polythéisme, al-shirk. Car si la personne n'en a pas connaissance, elle ne pourra pas concrétiser cela et elle ne pourra pas se préserver de ce qui va à l'opposé du tawhid. Et le fait de savoir la gravité de tomber dans le shirk majeur. Donc de s'éloigner du shirk mineur tout comme du shirk majeur. Et le polythéisme, c'est le fait d'associer autre qu'Allah avec Allah dans l'adoration. Donc cela va à l'encontre de la parole et de l'attestation « La ilaha illallah » que nulle divinité ne mérite d'être adorée, excepté Allah. Et ça va à l'encontre de la sincérité dans le culte, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne a pu multiplier les adorations, multiplier différents types d'adoration, que ce soit le pèlerinage, que ce soit le jeûne, que ce soit, et prononcer cette parole sans qu'elle lui soit bénéfique. Sans qu'elle lui soit bénéfique du fait qu'elle a associé autre qu'Allah avec Allah dans l'adoration, que ce soit dans le sacrifice, que ce soit dans la prière, que ce soit dans toute autre chose. Et la personne ne doit pas penser que cela n'était qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Eh bien non. Et cela est présent, comme on peut le constater, de nos jours. Combien de personnes qui vouent des types d'adoration pour autre qu'Allah. Et même encore pire, dans l'aisance, tout comme dans la difficulté. Donc tout cela, ça amène à prendre garde et à apprendre la croyance véridique, la croyance correcte, afin de se préserver. Et le fait de savoir que c'est la base par laquelle la personne, elle commence son appel à la religion,
à corriger la croyance. Car ça, c'était la croyance de tous les messagers. Et il n'y a pas un messager qui a été envoyé sans appeler son peuple à cela, à unifier Allah dans l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ » Nous avons envoyé dans chaque communauté, regardez, subhanallah, dans chaque communauté un messager, afin de leur ordonner d'adorer Allah et de s'écarter du at-tagut, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Regardez cette base. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé dans chaque communauté un peuple afin de les appeler à cela et de les mettre en garde contre le polythéisme. Donc c'est pour ça que les prêcheurs, ils doivent mettre cela en avant pour être sur la voie des messagers d'Allah. Car la personne, elle ne tirera pas bénéfice de ses œuvres si elle associe avec Allah dans l'adoration. Quoi qu'elle ait fait comme œuvre. Mais bien au contraire, elle récolte fatigue de ce qu'elle accomplit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Regardez, aucun bénéfice. L'imam al-Shawkani, rahimahullah, il dit au sujet de ce verset, l'œuvre acceptée par Allah doit lui être exclusivement dédiée et être conforme à sa législation, à sa loi. Dénuées de ces deux conditions, leurs œuvres n'auront aucun poids. Regardez l'importance de la bonne croyance. C'est par cela que la personne, que le musulman doit débuter dans son apprentissage. Et le Coran tout entier, il appelle à cela. Même si la personne, elle n'apprend pas beaucoup de sourates du Coran, mais il apprend. Il connaît Al-Fatiha. Et quand il lit Al-Fatiha, il passe dans toutes ses unités de prière en lisant Al-Fatiha par les versets « Iyyaka na'budu » « C'est toi seul que nous adorons » « Wa iyyaka nasta'in » « Et c'est toi seul dont nous implorons le secours » Et ça, c'est la voie que le musulman il doit avoir. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de l'unifier dans l'adoration. Pour les gens qui prononcent al-shahada, qui l'attestent et qui témoignent de la ilaha illallah, ça c'est une parole qui est lourde dans la balance. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah » Celui dont la dernière parole « Et la ilaha illallah, que nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah, entrera au paradis. » Mais attention, il doit la mettre en pratique. Il doit avoir la certitude par le cœur, la croyance, et la certitude par le cœur de ce qu'il prononce, afin que ça lui soit bénéfique, et le mettre en pratique par les membres. Et aussi de déclarer faux tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout cela comprend cette parole. Donc la personne qui entend l'adhan, qui est dans un pays musulman ou qui entend le adhan, il entend de manière quotidienne, 5 fois par jour, cette parole. Il doit méditer sur cela, tout comme il médite sur la lecture de la Fatiha. Il y a en cela suffisance et guidé. Quand tu entends le adhan, tu entends Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc tu vois qu'il y a les deux conditions d'acceptation des œuvres comprises lors de l'écoute du adhan. Et c'est un rappel continu afin que le musulman il se rappelle cela et qu'il médite sur cela afin que ça lui soit bénéfique. Et le fait qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala
de manière unique. Et le fait qu'il déclare faux tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le fait de ne pas prendre comme argument tes ancêtres, tes parents, tes grands-parents, chacun ne sera. Il n'y a personne qui sera, qui t'apportera quoi que ce soit dans l'au-delà, si ce n'est tes œuvres. Chacun est responsable de ses œuvres. Donc le fait que certains, ils adorent, par exemple, les tombes, ou certains qui vont demander aux devins, qui vont demander aux sorciers, la personne, elle craint. Ni la personne, elle doit prendre garde à ces choses-là. Le musulman, il doit rendre faux toutes ces choses, afin de ne pas annuler, ses œuvres et sa religion, son islam, et d'être en contradiction avec la parole « La ilaha illallah ». Donc le fait de déclarer faux tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ceux qui adorent les tombes, c'est faux, ceux qui adorent les statues, c'est faux, ceux qui vont voir les devins et demander aux devins, c'est faux, ceux qui lisent dans l'horoscope, c'est faux, ceux qui vont voir les sorciers, c'est faux. Allah Azza wa Jalla dit: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, et que ceux qu'ils adorent en dehors de lui, et que ceux qu'ils c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, et que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et Allah est le sublime, le grand. Subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de comprendre cela et de mettre en pratique en cela, et de prendre garde à ce qui va en contradiction avec cette parole qui est ash-shirk, le polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, fi surat al-Kahf, dans le verset 103 et 104, dit: vous informerai-je de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes? Regardez, c'est quoi les œuvres qui sont les plus perdantes? Regardez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit: vous informerai-je de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes? Ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas est vain, et qui croient cependant agir en bien. Regardez, ils font des efforts sans aucun bénéfice, sans aucun profit de ces efforts, car Allah a dit: ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas est vain, et en plus ils croient, et qui croient cependant agir en bien. Ils croient agir en bien dans ce qu'il accomplit. Et il n'y a pas plus grande perdition que cela, et plus grande perte que cela pour la personne. Donc ce verset concerne toute personne qui adore Allah d'une manière non légiférée. Allah, il ne t'a pas légiféré. Il ne t'a pas légiféré cela. Il ne t'a pas légiféré de lui donner quelconque associé dans son adoration, d'invoquer autre que lui, même si c'est un messager, même si c'est le meilleur des messagers, Muhammad alayhi salat. De l'adorer, il t'est pas permis de cela, même si c'est un ange rapproché comme Jibril alayhi salam, il t'est pas permis de cela, ou toute autre chose. Allah, il t'a pas légiféré cela. Donc ce verset concerne toute personne qui adore Allah d'une manière non légiférée et non agréée, et qui croit agir correctement, et que son œuvre est acceptée. Cette personne fait erreur et son œuvre est rejetée, tout comme la personne qui instaure dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie, ou qui met et qui ou qui pratique, qui met une pratique, une innovation, même si ce n'est pas lui qui l'a instauré, comme on a pu le voir dans les hadiths précédents. La personne, elle pense faire du bien par cela, mais elle n'a pas réuni les conditions d'acceptation des œuvres.
elle n'a pas réuni la condition d'acceptation des œuvres. C'est pour ça que le prophète sallam a dit man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Celui qui instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie sera alors rejeté. Il instaure quelque chose qui ne fait pas partie, même s'il pense que par cela il fait du bien, c'est quelque chose qui n'est pas légiféré, eh bien ça, il verra cela rejeté. Celui qui dit c'est pas moi qui l'ai instauré mais je le mets en pratique, c'est eux qui ont la responsabilité, pas moi, eh bien on dit que tu es responsable, chacun est responsable de ses œuvres. Est-ce que ces œuvres sont légiférées? La personne doit rechercher cela. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans l'autre version du hadith « Man amina amalan laysa alayhi amuruna fa huwa radd » Celui qui met en pratique ce qui ne fait pas partie de nos ordres sera alors rejeté. Donc que tu instaures cela ou que tu le mets en pratique, c'est pareil. Ou que tu adores Allah par une chose qui n'est pas légiférée, que tu associes à Allah dans son adoration, tout cela c'est une cause de perte pour la personne. Même si la personne, elle croit par cela, se rapprocher d'Allah et faire du bien. Et le fait de reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, quand tu dis la ilaha illallah, cela ne suffit pas. Les polythéistes à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, c'est pour ça que la chose la plus importante aux croyants de corriger dans un premier temps, c'est sa croyance. Car par la suite, il récolte les fruits de ce sur quoi il a construit. Si sa croyance elle est correcte, ce qui vient par la suite, bi'idhnillahi ta'ala, c'est cause de récolter bonheur et récompense. Mais s'il a construit sur quelque chose qui de base est faux, c'est cause de fatigue pour lui. Et c'est cause de récolter châtiment dans l'au-delà. C'est pour cela que la personne, elle se doit de corriger la base. Le fait que la personne, elle croit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'unique créateur. C'est lui l'unique administrateur de cet univers. C'est lui qui gère cet univers. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la mort. Cela implique que tu dois l'unifier dans l'adoration. Tu dois vouer toutes tes adorations à Allah. Car celui qui dit cette parole-là, mais qu'il donne des associés de manière différente à Allah dans son adoration, elle ne lui sera d'aucune utilité. Car les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient que c'était Allah le créateur. Mais ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration. Ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc elle ne leur a été d'aucune utilité malgré qu'ils reconnaissaient que c'était Allah le créateur. Allah il dit à leur sujet « Wala in sa'altahum » fi surat al-Luqman, le verset 25, Allah il dit « Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaqulunna Allah » Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, aux polythéistes, qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Mais le fait que tu médites sur cela, que tu observes cette création, ta création et comment tu as été façonné, et la création des cieux et de la terre, de cet univers, qui est beaucoup plus complexe que la création des créatures, la personne qui médite sur cela, ça lui montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça lui apporte amour d'Allah azza wa jal. Et ça l'amène à quoi? Ça l'amène à ce qu'il unifie Allah dans l'adoration. Car ce n'est pas suffisant le fait de reconnaître que Allah il est le créateur et de lui donner des associés dans son adoration. Puis aussi ce qui est important, c'est que la personne, elle adore Allah, elle unifie Allah dans l'aisance, tout comme dans la détresse. Pas à l'exemple des polythéistes, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, à l'exemple des polythéistes, qui, lorsqu'il leur était touché détresse, les polythéistes, lorsqu'il leur était touché détresse, ils unifiaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils unifient Allah dans l'adoration et dans l'invocation.
Et puis lorsque Allah leur apporta secours à leur détresse, eh bien, il l'associait dans son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرْقِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Allah, il dit dans le verset 65 de la sourate Al-Ankabut, quand ils montent en bateau et craignent de chavirer, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement le culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Mais on a regardé quelle était la façon d'agir des polythéistes. Mais regardez l'état des polythéistes de notre époque, qui est encore pire. Le fait que, en détresse, tout comme en aisance, il y en a qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la détresse, tout comme dans l'aisance. Quand il est en détresse, il va demander, il va invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il est dans l'aisance, il va invoquer, il va demander à autre qu'Allah, ou il va sacrifier pour autre qu'Allah. Donc ce qui prouve l'importance de corriger, que le musulman se doit de corriger cette base. Et de prendre garde à ce qui est venu dans le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la personne lui vienne la mort et qu'elle est dans cet état. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. Allah, il ne pardonne pas. Et la personne, elle mérite l'enfer éternel. C'est la personne qui meurt sur cela sans se répentir, qui meurt sur le polythéisme majeur. Et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc on voit que le seul péché qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas si la personne, elle meurt sur cela, le polythéisme. Donc ça amène la personne à prendre garde. Et ça amène la personne à avoir sincérité dans le culte et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'unifier dans tout type d'adoration que tu accomplis. Et il est important aussi d'enseigner cela et de répandre cela et de l'enseigner aux enfants petits et grands. Tout le monde a besoin de ces bases. Car c'est pour cela que nous avons été créés. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَفِي الْخِتَامِ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد